Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler non pas d'une nouveauté mais d'une réédition. Alors c'est un peu une nouveauté, mais c'est Transmétropolitain de Ellis. C'est un chef-d'œuvre des années 90, c'est un bouquin complètement azimuté. Alors en même temps il est inspiré d'un journaliste qui s'appelle Hunter Thompson. Alors peut-être que ce nom vous dit rien, mais si je vous dis Las Vegas Parano, le film de Terry Gilliam, eh bien ça y est, vous voyez de qui il s'agit. Il est joué par Johnny Depp et ce journaliste a vraiment existé et Las Vegas Parano était vraiment un reportage qu'il a fait. Donc vous voyez le gars qui se passait son temps à essayer plein de... comment dire, produits illégaux de tout ce qui existait, il s'en mettait plein la poire, aussi bien l'alcool et tout, et quand il était censé faire un reportage, bah, il faisait quasiment autre chose, même s'il écrivait un article. Et donc Transmétropolitain, voilà, le héros s'appelle Spider Jérusalem, et c'est l'alter ego en bande dessinée de Hunter Thompson. Et là on est dans une ville, une grande métropole, qui est un mélange de Londres et New York, et Spider Jérusalem est obligé d'y revenir. Alors on est un peu dans l'anticipation, et on va suivre sur 6 volumes, toute une enquête, un reportage, sur l'élection présidentielle. Donc dans ce pays, il y a une élection où les deux candidats ont des surnoms un peu particuliers. Un s'appelle le sourire et l'autre la bête. Et c'est pas forcément celui auquel on pense qui est le moins enfoiré des deux. Et Spider Jérusalem, eh bien, comme il aime mettre le bazar, ses enquêtes, il n'arrête pas. Enfin, compte, c'est comme s'il y avait des bouses de vache qui mettaient un pétard dedans et ça éclabousse tout le monde. Donc ça ne plaît pas à tout le monde. Donc c'est un ouvrage incorrect. Politiquement incorrect, c'est ordurier, c'est grossier, ça part dans tous les sens, enfin bref, tout est permis. On pourrait croire que c'est une œuvre de jeunesse, c'est l'adolescence qui explose, on a envie d'être punk, on a envie d'être rock'n'roll. Spider Jérusalem, il est tout ça, il ne pense qu'à sa tronche et à la vérité. Lui, ce qui l'intéresse en tant que journaliste, c'est balancer la vérité. Évidemment, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Ça s'appelle Transmétropolitain, c'est un des chefs-d'œuvre de Warren Ellis, c'est aux éditions Urban Comics, et il y aura 6 volumes en tout.